Messieurs, quand vient le temps de draguer la baigneuse? On était sur la plage et autour des piscines, lorsque vous étudiez vos tronches ravageuses dans un miroir de poche ou devant les vitrines. Vous perdez votre temps, messieurs, à vous refaire autant que faire se peut un élégant faciès. Car de tous vos attraits, ce que femme préfère, si j'en crois la rumeur, messieurs, ce sont vos fesses. Et oui, pardonnez-moi ce constat un peu rude, les statistiques sont formelles à cet égard. Et personnellement, j'en ai la certitude, depuis que je m'obstine à lorgner vos pétards. Alors ne gaspillez donc plus vos énergies, clignez du sourcil d'un regard amoureux. C'est inutile puisque la plupart des filles dévisagent vos culs avant de voir vos yeux. J'entends les voix des mâles protester, c'est vulgaire, la femme n'est plus la femme, que s'est-il donc passé pour qu'elle se conduise comme un légionnaire? Stop, si ça continue, elle va nous dépasser. Qu'un homme soit sensible au popotin des grâces, mon Dieu, c'est rendre hommage à la féminité. Mais regardez nos culs, ah non, c'est dégueulasse, car enfin nous avons bien d'autres qualités. C'est précisément là, messieurs, que le bas blesse. Bien d'autres qualités, c'est assez prétentieux. Un grand nombre de mecs n'ont hélas que leurs fesses pour tout relief et pour qu'on s'attarde sur eux. Vous avez tant fourni pour draguer sur la plage des forêts de pognon dans le bodybuilding, que vous avez fini par offrir une image dont nous ne retenons que la ligne du string. Mais trêve de discours, tout ça n'est pas bien grave, c'était juste pour faire quelques alexandrins. Que cette petite chanson ne soit pas une entrave à vos désirs de plaire par tous les moyens. Vous avez contribué sans jouer les apôtres, adorer le blason de la féminité. Vous regardez nos culs, nous regardons les vôtres. L'homme et la femme enfin sont à égalité.